Avez présentement, c'est le langage de Yacouba Sylla. L'unité, l'entente entre les enfants de la Côte d'Ivoire et l'Afrique et le monde. C'est tout ce que le calife vous demande. Ce langage que vous avez, il prie que ça persévère et que ça prenne de l'ampleur, que tout le monde écoute Blé Goudé, petit-fils de Yacouba Sylla. Ce qu'il dit, c'est la parole de Yacouba Sylla. Quand on salue Yacouba Sylla, Dieu merci. Dieu merci. L'unicité. L'unicité, c'est ce qu'il demande. Vraiment, nous sommes très heureux de vous voir parmi nous. Nous sommes très contents. Et le calife vous demande de transmettre à tout le monde qu'il est très heureux de votre venue en Côte d'Ivoire. Vous êtes là, on ne savait pas, mais tout est Dieu. Tout est Dieu. Votre prison, vous avez dit tout à l'heure, vous avez été libéré, il fallait qu'on passe par là. Prenez dans le cadre la spiritualité. Ce qu'on vient de donner tout à l'heure, la litanie, là, il n'y a pas de Dieu que Dieu. Quand le cheikh Yacouba s'est traversé, parce que c'est un immigrant spirituel. On l'a déporté de son pays natal jusqu'à Sassandra. En passant ici, il dit, ne vous lamentez pas, j'irai faire ma prison, je reviendrai dans un fromager où tout le monde viendra s'abriter. Wow. Et voilà, c'est ce qui est là. Ici, c'est le numéro 1. Il est parti à Sassandra, il a prédit qu'il va revenir, il est revenu. Et qui l'a accueilli? Et qui l'a accueilli? Les pétés. C'est les pétés qui l'ont accueilli. Sinon, ils retournaient dans son pays natal. Ils sont très hospitaliers, très accueillants, très aimables. Ils l'ont accueilli. Et si vous savez qu'il y a des femmes pétées à la maison, des enfants, des petits-enfants pétés ici. C'est ce que je disais à Gikawé. Je dis, quand vous dites canton Kabia, canton Pakolo, canton, dites canton Yacouba Sylla. Dites canton Yacouba Sylla. Parce qu'on se dit, non, on est pété, hein. Ah, on est pété. Et les pétés ont été très reconnaissants. Les pétés ont été très reconnaissants envers Yacouba Sylla.
Nous tous, qui sommes des Ghanois, on connaît le poids, on connaît le leadership de Yacouba Sylla. Et quand nous mettons les pieds ici, nous venons dans cette famille, puiser dans le marigot de la sagesse, pour que ces pas puissent nous inspirer sur le chemin de rassembler les Ivoiriens de nous. Certains ne comprennent pas ça. C'est normal. Mais moi, je me considère comme un professeur. Dans une classe ou dans un amphithéâtre, le professeur donne le cours. Au moment où il donne le cours, il y a des étudiants ou des élèves qui comprennent en même temps. Il y en a qui ont besoin d'une longue période avant de comprendre. Et puis, il y en a qui ne comprennent jamais. Mais ceux qui ne comprennent jamais, là, on ne les jette pas. On continue de leur parler. Pour leur dire qu'un pays qui sort des conflits comme le nôtre a besoin d'une seule chose, c'est la paix. Voilà, merci. Allez, merci. Rejoignez-nous au projet.